Et yo tout le monde et bienvenue sur la première vidéo gaming de Black Capo Vidéo. On va commencer par un petit jeu qui s'appelle Pixel Car Racer. C'est un jeu sur smartphone sur lequel on peut du coup acheter une cappuccino. Et c'est pour ça que je vous présente ce jeu aujourd'hui. Et on est parti. Alors, bienvenue Black Capo, c'est moi-même. Ok, on verra plus tard pour se loguer. Hop, on va tout mettre dans le cache. Alors dans un premier temps, on ne peut pas acheter justement une cappuccino car on n'a pas assez d'argent. Donc on voit bien qu'en haut à droite on a 15 000 $ et que du coup pour avoir une cappuccino ça nous coûte 20 000 $. Voilà, donc là elle est blanche, j'espère l'avoir d'une autre couleur. Au pire des cas on pourra justement la recolorier, enfin la repeindre. La recolorier carrément, quoique c'est sur un jeu. Du coup on a une petite S13 si je dis pas de bêtises, corrigez-moi hein, surtout, criez-moi dessus, enfin bref, bannissez-moi tout ce que vous voulez, pouce rouge et tout. Du coup on ne peut pas la revendre, enfin moi j'ai pas trouvé comment la revendre, il faudrait que j'achète une voiture pour pouvoir la revendre, mais c'est pas rentable, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire quelques races, tout simplement. Ce que je vais faire aussi également dans un premier temps, on va aller dans les options, ça va nous permettre de passer les kilomètres heure, le tutoriel on en a pas besoin, on garde la musique, vous me direz si ça vous dérange ou pas. Et ce que l'on va faire également, c'est que on va changer rapidement mon apparence, on part sur un mec avec un casque, tout en blanc peut-être pas, ouais ça c'est pas mal, ouais c'est pas trop mon style. Ah ça c'est pas mal. Ça me ressemble bien. Hop là, on valide. Ok. Du coup, on part pour une première race. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va faire que du drag, justement, pour avoir un peu plus d'argent assez facile. Oui, je le prends en débutant, car je suis un gros noob. Et on est parti. Alors, petit cool tips, vous verrez qu'il n'y a pas de pub dedans. Oh, j'ai pris quand il y a de la neige. C'est parce que tout simplement, j'ai désactivé en fait mon Wi-Fi et du coup les datas, ce qui permet de ne pas télécharger les pubs tout simplement. Alors, c'est ce petit cool tips que je vous conseille si jamais vous voulez jouer tranquille au jeu. Et donc voilà. Oh, on va partir sur une première victoire. Parfait ça. Sous la neige et tout. Allez, 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 allez. Ça roule pas trop mal, hein. Ok, une première victoire. C'est parfait, ça. Et on gagne 1500. Donc il va nous falloir encore 3 autres victoires. On est reparti, on garde la neige. Là, alors, comment que ça se passe? On appuie d'abord, donc en mode amateur, on appuie sur l'accélérateur, justement, pour faire chauffer les pneus, donc ce qu'on voit en haut à droite. Il y a un cap, donc là je peux pas chauffer plus. Une fois que c'est terminé, on relâche l'accélérateur. Là il nous dit de nous tenir prêt. On met le pied sur l'embrayage et on relâche quand c'est vert. Et c'est parti. Encore une victoire. Punaise, on est bon. Ok. Deux victoires d'affilée. J'ai pas amélioré mon temps. Allez, on fait encore deux autres fois comme ça et on est bon. Alors. Et c'est chaud, c'est parfait. Hop, on est parti. Parti. Roche que je lui ai mis. Allez, on le voit même plus. Il va remonter, non, un peu? Non, même pas. Pourtant. Ok, encore une petite dernière. Ok. Oh, carrément. Sympa comme jeu, il est quand même bien fait. J'aime bien, enfin, personnellement, j'aime beaucoup les pixel games. Et du coup, il est plutôt sympa comme petit jeu celui-là. Ah, ouais. Ouais, un gros pot, hein, mais par contre, je la dépose. Quoi. Plutôt sympa comme voiture pour débuter. Alors, je sais pas comment que ça se passe, si c'est se mettre à notre niveau ou pas. Et donc, du coup, là, comme on vient de gagner,
Hop là, on va pouvoir aller s'acheter la plaque. 21 000, on est bon. Hop, 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 elle était là. Bon, c'est pas grave, on l'achète, parfait. Et on va la nommer du coup bah, Black Capou. Hein. Ok, ça marche. On va en profiter, on va revendre notre stress. Ou pas. Hop là, on la revend, comme ça on va pouvoir aller directement au garage. On va aller dans le store. On va prendre du coup un petit turbo. Allez, on va prendre un petit silencieux, une admission, des pistons forgés, prendre un petit écu RPM 500, tac, oula, j'étais un peu loin, on était un peu loin, alors c'est quoi? Ouais, c'est le EQN2, allez hop, on prend l'EQN2. Tac. Et on va du coup mettre ça dans la capou. J'ai oublié de prendre un truc essentiel. Ah bah tiens, on va changer ça. Mais la télé. J'ai oublié d'acheter un truc essentiel. Et du coup, on va là. Et ça coûte 1000. Oh zut. Et bien tant pis. Tant pis. Dans un premier temps, on va voir ce qu'on a gagné. Oh. Ok, alors ce qu'on va faire, je suis désolé, un peu de temps, on va... Non, on va revendre les culs. On peut pas le revendre, store, inventory. On va le revendre, c'est pas grave. Store, on va acheter les culs un peu moins cher. Mais on va surtout se prendre la petite bombe qui va bien. Ah oui, on va prendre l'intercooler également. Hop, est-ce qu'on peut prendre celui d'après? Hop. Voilà, allez, hop, on va équiper la capou et on va pouvoir faire notre première race. Ouais, les petites Watanabe, parfait, les Watanabe. Ah. Alors vous savez que les Watanabe en fait sont relativement légères, surtout celles du coup en aluminium, et que j'ai commencé à regarder un peu pour ma capou pour savoir si je pouvais pas en prendre. C'est un petit peu hors de prix pour moi pour le moment, mais c'est plutôt pas mal. J'ai regardé aussi les Volks, enfin les Volks, Volks, enfin bref, vous me redirez si c'est bon ou pas la prononciation. Et du coup, pour gagner facilement entre 10 et 20 kilos sur la voiture, parce que les Volks sont environ dans les... Ah, j'ai oublié de la reprendre. Hop. Parfait là, magnifique. Les Volks du coup font, oui, dans les... du coup, dans les à peu près 6 kg, un peu plus de 6 kg en 15 pouces, donc c'est relativement léger. Donc voilà. Hop. Allez. On est parti. Deux jours. Et on va essayer de gagner notre première race. Oh, contre une hache. Ah non, c'est une 3-4G. C'est une D7, ça. Une D9, à rien. Hop. Titine est chaude. On va finir dans le gravier, hein. La dernière fois que j'ai dit que Titine était chaude, donc j'ai fini dans le gravier. Allez, 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 allez. Oh, j'ai oublié de changer les culs, non? Ouais, j'ai oublié de changer les culs. Ouais, comme quoi, un gros noob. Que je suis. Alors, on a gagné. Beaucoup plus vite. Alors on va aller changer vite fait les culs. Garage. Non. Voilà, voilà. Voilà. Donc j'ai changé, ça m'étonne. Hop, hop, hop. Ah si, j'ai mis. Donc là on est à 8250 minute. Alors, il faut savoir que la mienne elle cut à 8500 à peu près, c'est pour ça que vous voyez malheureusement pas monter plus haut dans les tours quand je roule sur piste. J'aimerais bien justement aller un peu plus
Un peu plus haut dans les tours, mais bon, ça sera sûrement pour le prochain LQN2. Donc voilà. Allez, on va faire une dernière race. Je vous promets d'essayer d'apprendre les autres. On va le faire de nuit. Je promets d'apprendre les autres moyens de piloter, on va dire, la voiture. Ah ouais, du coup, une blague capoue dans une blague dans pleine nuit, c'est pas génial, on n'y voit rien du tout. Tour de flamme et tout. Hop. Allez, c'est parti. C'est quoi, c'est une corvette que je dépose? Bien sûr. Non mais c'est comme ça dans la vie, hein. Moi je veux dire. Au feu rouge, j'en écris plein comme ça, des corvettes et tout, je fais des burns et tout, démarrage, c'est n'importe quoi. Non je rigole, ne faites pas ça surtout. Encore moins avec une capoue, surtout stock, vous aurez un peu de mal. Là. Allez, on refait une dernière fois, on essaie quand même de passer peut-être niveau 2. Autour de flammes et tout. Allez, hop, on lâche, les pneus sont chauds. Contre une Mustang là. Ah. Ah. Mais elle est plus petite en même temps. Oh, elle est plus grande là. Ils vont avoir le nez devant, c'est n'importe quoi. Tu peux le faire, tu peux le faire. Oui, encore. Ah, punaise, il est devant. Ah non, je gagne. Ah d'accord. Bon, bah, ça va être au milieu de la voiture. Je sais pas trop comment que c'est pris. Ah, 99%. Ouais, on peut pas rester si on a une victoire comme ça. Allez, allez, allez. Ok, c'est chaud. Des brailles. Pouh! Allez, c'est bon, je lui ai mis 200 mètres d'un coup. Voilà, t'es obligé de l'attendre et tout, hein, tellement il avance pas. Boum! Niveau 2! Parfait ça! Allez hop! Ah non, j'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave. On va quitter. Hop. On va aller regarder vite fait dans le garage ce qu'on a gagné. Ok. Je sais pas du tout ce que c'est. Non. Ah ouais, carrément. D'accord. Bon, c'est pas grave. Ok. Et bien sur ce, on va mettre fin à la première vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, à mettre des pouces bleus, à vous abonner également. J'essaierai d'en faire d'autres vidéos. Surtout, n'hésitez pas également à me faire des retours positifs, négatifs. Je prendrai quand même bien, il n'y a pas de souci. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.